On va peut-être démarrer. Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend, Bernard? Oui. Oui, s'il vous plaît. Alors, à la fois les dernières personnes, je vous propose de vous asseoir. Très bien. Je me présente, Laurence Garçon, je suis responsable du mémorial des déportations de la ville de Marseille. Et nous sommes ravis de vous accueillir très nombreux, je vous avoue. Depuis quelque temps, en présentiel, nous avions quelques personnes. Et là, je pense qu'effectivement, la conférencière et le thème qui va être traité ce soir méritent largement la mobilisation de tant de personnes. Donc, Musée d'histoire de Marseille. Le mémorial des déportations qui a été réouvert il y a 2 ans. Nous avons fait les frais, comme beaucoup de structures culturelles, de la fermeture de cette année, sur cette année, cette période. En revanche, nous sommes ravis de pouvoir accueillir des retours relativement très favorables, en tous les cas, du nouveau parcours muséographique et scientifique que nous proposons au sein de, de cette structure. Cette structure qui souhaite traiter les processus de déportation qui essentiellement ont eu lieu à Marseille. Et c'est le vecteur local et la dimension locale que nous cherchons à exprimer. Si cette conférence aussi peut avoir lieu ce soir, c'est aussi parce que depuis un an et demi, nous structurons progressivement des partenariats et nous en sommes très heureux. Et le partenariat avec Bernard Mossé, notamment sur le projet Herbel, dont il vous parlera plus précisément, qui est un tiers-lieu culturel et qui mobilise là aussi plusieurs associations et plusieurs institutions, dont l'institution SOMOM, qui apparaît aussi dans le cadre de l'organisation de cette conférence, le consulat des États-Unis, dont nous remercions évidemment la présence aussi. Voilà, donc je crois... Alors, aussi, je fais une intervention parce que l'actualité culturelle des musées de Marseille aussi concordent et rejoignent la thématique et la conférence qui a lieu ce soir, l'exposition sur le surréalisme dans l'art américain qui se tient actuellement à la Via Charité et qui se déroulera jusqu'au 26 septembre. Je vous recommande particulièrement d'aller visiter cette exposition car au-delà du surréalisme, effectivement, on a souvent l'impression et la représentation de se dire c'est peut-être ces exilés surréalistes européens qui ont émigré aux États-Unis, qui ont aussi apporté avec eux leur dimension, on va dire, artistique, alors qu'effectivement, ce qu'on apprend au cours de cette exposition, c'est que le surréalisme était déjà bien présent dans les années 30 aux États-Unis et qu'il y avait une influence largement prégnante dans ce pays. Au niveau du Musée d'Histoire de Marseille, vous dire également que vont être abordées certaines rencontres, certains concerts, certains cinémas en plein air dans le cadre de la programmation de l'été. Donc je vous invite à rejoindre et à vous tenir informé sur le site du Musée d'Histoire de Marseille pour avoir l'intégralité de ce programme. Aujourd'hui, la conférence, et nous en sommes heureux aussi depuis quelques mois, de pouvoir avoir la chance de pouvoir diffuser en live sur la chaîne YouTube des musées, de manière aussi à pouvoir avoir un public beaucoup plus large et pouvoir aussi avoir une trace de ces débats et de ces échanges fort riches tout au long de l'année. Voilà, je laisse et cède la place à Bernard Mossé qui va présenter largement la conférencière ainsi que le projet qu'il porte. Merci Laurence. Et moi aussi, je vais faire une série de remerciements, vraiment, parce que cette soirée n'est pas possible. Alors d'abord, vous remercier d'être très nombreux ce soir. Et dans cette période un peu difficile de fin de crise sanitaire, en tout cas c'est ce qu'on espère, où voilà, il est difficile de reprendre nos bonnes habitudes, y compris nos bonnes habitudes culturelles. Et donc merci d'être venu vous reconfiner ce soir pour cette conférence qui s'annonce passionnante. Merci, Madame le Consul Général des États-Unis, de votre présence qui nous honore et aussi d'avoir mobilisé votre équipe. Merci à Vanessa, merci à Aurélie pour l'organisation de cette journée
et de cette soirée. Une journée qui s'est passée, donc, comme vient de le dire Laurence, à la visite de deux expositions avec Carole, celle sur Jeff Koons au MUCEM, puis celle donc sur le surréalisme dans l'art américain, qui effectivement sont deux très belles expositions que je vous invite à aller voir. Merci aussi, évidemment, au Musée d'Histoire de Marseille de nous accueillir et d'avoir organisé cette journée aussi avec nous. Merci à Fabrice Denise, le directeur, à Laurence Garçon, à Jérôme, à Pascal, là-bas au fond, à la technique. Merci aussi, donc, tu l'as dit, Laurence, à l'Institut Somum, qui a participé à l'organisation avec toute son équipe, la directrice Sylvie Mazella, Ori, et Raphaël pour leur aide. Et en fait, merci à toutes ces institutions et à toutes ces personnes de soutenir le projet que l'association que j'ai l'honneur de présider, l'association Villa Herbel, ce projet de création d'un musée qui rend hommage à l'histoire de la Villa Herbel pour la transmettre au grand public, au public d'abord local de la cité, au public des Marseillais en général, une belle histoire d'art et de résistance, dans la lignée du travail qui a été effectué au camp d'Émile hein, sur cette thématique-là, et puis aussi qui a été exhumé il y a déjà une bonne trentaine d'années par de nombreux historiens. J'en vois quelques-uns ici qui ont travaillé sur cette histoire-là, donc René, que je salue, Robert aussi, et Jean-Michel Guiraud, le président de l'association Varian Fry, qui depuis 30 ans au moins hein, travaille sur cette histoire et qui est un des partenaires essentiels de ce projet. Un grand merci à Carole Veil d'être ici, présente. J'allais dire un double merci. Donc Carole Veil, qui est directrice de la collection Peggy Guggenheim à Venise, directrice de la Fondation Guggenheim pour l'Italie, et que je remercie doublement, d'abord d'avoir accepté de parler de Peggy Guggenheim, de sa grand-mère paternelle. C'est une précision peut-être sur laquelle tu reviendras, je ne sais pas. Une histoire extraordinaire qui commence aux États-Unis, à New York, et qui s'achève à Venise, qui s'achève et qui se prolonge à travers la fondation que tu diriges, qui se prolonge par la fondation qu'elle a créée. Alors, je ne vais pas parler de l'histoire de Peggy Guggenheim, Carole va le faire bien mieux que moi, mais je vais quand même faire le lien entre l'histoire de la Villa Herbel et l'histoire de Peggy Guggenheim. En 1939, Peggy Guggenheim est à Paris, en France, et sa volonté, son souci, peut-être son obsession, je ne sais pas si le mot est juste, c'est de préserver les œuvres de sa collection. Elle a ouvert une galerie à Londres quelques années auparavant, mais de préserver et de protéger de la destruction des nazis l'ensemble, le plus possible, les œuvres, notamment des surréalistes et plus généralement des nouveaux courants de l'art moderne. Non seulement de protéger les œuvres, mais de protéger les artistes eux-mêmes. Elle a le projet, quelques semaines, quelques mois avant Varian Fry, qui va louer la Villa Herbel dans l'est de Marseille, d'essayer de trouver une résidence pour les abriter, les rassembler et les protéger. C'est un projet qui ne verra pas le jour. Mais au moment de la débâcle, au moment de la défaite, évidemment, ce souci prend une dimension encore plus importante. Sa collection, elle va pouvoir la transférer au musée de Grenoble. Et puis de là, cette collection partira aux États-Unis dans un épisode rocambolesque. Je ne sais pas si tu en parleras. Mais surtout, elle est alertée sur la situation dramatique qui se passe à Marseille, alertée par la femme d'Yves Tanguy, d'un de ces artistes qu'elle protège, qui lui explique qu'à Marseille à cette époque-là, est une ville
qui est une ville d'accueil, une ville de transit, pour reprendre le titre du livre d'Anna Segers qui raconte cet épisode-là. Une ville, bien malgré elle, cosmopolite réellement, hein, qui voit affluer beaucoup des persécutés d'Europe, beaucoup d'artistes et d'intellectuels parmi eux, qui ont l'espoir d'avoir un bateau pour la liberté, ou de bénéficier d'une filière vers l'Espagne, comme échouera de le faire Walter Benjamin dans un des épisodes tragiques de cette époque. Et donc, elle décide de venir à Marseille, rencontrer Varian Fry, ce journaliste américain qui a décidé de sauver ces artistes. Il a une liste de 200 artistes intellectuels persécutés par les nazis et menacés par le régime de Vichy. Il loue la Villa Herbel dans cette belle bastide dans l'est marseillais pour les protéger et leur faire bénéficier de visas vers les États-Unis. Il va réussir à en exfiltrer 2000 vers les États-Unis avec l'aide du vice-consul des États-Unis, Hiram Bingham, qui agit avec beaucoup de courage contre son administration, il faut le souligner, et qui va délivrer ses visas à l'appel. Et parmi tous ces personnes, ces artistes, ces intellectuels, il faut citer Max Ernst, Leon Fuchswanger, André Breton, Jacqueline Lamba, Marc Chagall, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt et bien d'autres, qui vont pouvoir partir vers les États-Unis grâce à l'action de Varian Fry, d'Iran Bingham, et en très grande partie financée par Peggy Guggenheim, qui va verser une somme d'argent conséquente pour aider ce comité de secours américain pour cette tâche. J'avais dit un double merci, Carole, pour avoir accepté cette conférence, mais aussi pour avoir accepté de soutenir notre action pour qu'un musée voie le jour pour raconter cette histoire. C'est une histoire d'art et de résistance. Et donc, d'avoir accepté non seulement de soutenir notre action, mais de faire partie de notre conseil scientifique. Et j'espère que c'est un partenariat qui nous honore, qui donne dimension internationale à ce projet, et qu'on pourra aller plus loin peut-être dans ce partenariat. Alors j'en ai fini avec les remerciements et avec mon petit speech. Je veux vous remercier tous à nouveau, tous ceux que j'ai cités, tous ceux qui directement soutiennent ce beau projet, et par votre présence, vous qui le soutenez indirectement, peut-être involontairement, mais voilà, j'espère que vous serez derrière nous pour ce beau projet ambitieux pour la ville de Marseille. Je laisse la parole à Peggy Guggenheim à travers la voix de Carole. À toi. Merci beaucoup, Bernard. Mais écoute, je crois que tu avais quelques photos. Alors, on va quand même les montrer rapidement, mais je crois que je vais montrer les mêmes. Alors, on passe, si tu veux bien. Alors, attendez. Si j'ai bien compris, voilà. Et... alors, attendez. Bravo, voilà, fantastique. Bien, écoute, Bernard, encore merci. Merci infiniment pour cette belle introduction et pour m'avoir invité à participer enfin, à ce très beau projet très important. Je voudrais remercier aussi le consul américain, Madame la consule. Et Vanessa, merci beaucoup. Aussi, on a passé une très très belle journée ensemble avec mon mari. Je voulais remercier bien sûr aussi le musée d'histoire pour m'accueillir ici. Donc, et en plus, ce qui est très sympa, je crois que c'est super d'être de nouveau en présence après toutes ces réunions Zoom qu'on a fait depuis un an et demi, qu'on va continuer certainement à faire. Mais enfin, je crois que c'est bien autre chose d'être ici ensemble. C'est notre première sortie, en fait, de l'Italie. Donc, c'est très agréable, je dois dire. OK, bien, alors... Alors, Peggy Guggenheim de Marseille à Venise.
L'épisode marseillais est un épisode assez bref dans la vie de Peggy Guggenheim, mais bien sûr, comme vous le savez, extrêmement important, car Peggy Guggenheim passera quelques mois à Marseille avec à la Villa Herbel, essayant de faire de son mieux pour aider les artistes, les intellectuels à s'échapper. Et puis elle aussi, bien sûr, parce qu'étant américaine et juive, elle aussi avait absolument besoin, cette nécessité de quitter l'Europe après avoir passé une vingtaine d'années en Europe. Mais enfin, avant de passer à ce moment marseillais, je voudrais quand même vous donner un aperçu de sa vie, de son parcours artistique. Et je vous parlerai aussi un petit peu de ce qu'entreprend la collection Guggenheim à Venise aujourd'hui et de notre rôle culturel et comme un des piliers institutionnels de la ville de Venise. Alors, bon, écoutez, là, je crois que vous la reconnaissez tout d'abord, oui. Dans sa gondole, Peggy avait une des dernières gondoles privées à Venise, qu'elle a léguée ensuite au musée naval de Venise. Une gondole très, très belle. Mais retournons un petit peu en arrière. Peggy Guggenheim est née en 1898 à New York. Elle est fille de Benjamin Guggenheim et de Florette Seligman. Et Benjamin était un des fils de Meyer Guggenheim, le grand-père paternel de Peggy, une famille suisse-allemande juive qui est partie de la Suisse à la moitié du 19e siècle. Et Meyer eut trois filles et sept filles, dont Benjamin, donc le plus jeune, en fait pas le plus jeune, le deuxième, l'avant-dernier. Le plus jeune d'ailleurs s'appelait William. Et Benjamin Guggenheim a épousé une femme qui s'appelait Florette Seligman, qui provenait d'une famille juive aussi, mais allemande hollandaise, et qui avait émigré aux États-Unis en fait avant les Guggenheim. Et donc la famille de Florette considérait toujours les Guggenheim comme un petit peu comme des parvenus. Et donc, c'était un petit peu une mésalliance. Benjamin Guggenheim, les frères Guggenheim, vers 1880, acquièrent une énorme richesse grâce aux mines de méthon, de plomb et d'argent aux États-Unis et même au Chili. Mais Benjamin Guggenheim, qui était un petit peu playboy et qui n'était pas vraiment très intéressé aux affaires de la famille, décide d'abandonner les affaires justement de ses frères aînés, de la famille entière. Et donc il n'est jamais devenu aussi riche que ses frères. Et bien sûr, sa fille Peggy, qui était en fait, elles étaient trois sœurs, Benita, Peggy et Hazel, n'étaient jamais aussi riches qu'on ne puisse le croire, bien qu'elles n'ont jamais été pauvres, bien sûr. Mais il est important aussi de se souvenir, de se rappeler que Peggy, en fait, n'eut jamais de ressources illimitées quand elle commença à collectionner dès 1938. Et elle se considérait toujours un petit peu comme la bête noire de la famille. Et son père, en 1912, meurt sur le Titanic. Et donc, elle devient orpheline relativement jeune, enfin oui, plutôt jeune. Et je crois qu'en fait, toute sa vie, elle a été à la recherche de son père qu'elle a perdu beaucoup trop jeune. Mais à sa majorité, Peggy hérite quand même d'un petit peu d'argent, une somme assez conséquente quand même. Et elle part pour l'Europe, où elle restera une vingtaine d'années jusqu'en 1941. Elle retrouve à Paris, en 1922, elle retrouve l'artiste Laurence Vell, qui est un artiste franco-américain, sculpteur, artiste, écrivain, qui deviendra donc son premier mari. Et ensemble, ils ont eu deux enfants, Sinbad, qui était mon père, et Peggin, qui était ma tante, et qui est devenue artiste. Et ils s'étaient rencontrés d'ailleurs une première fois dans une librairie pas très loin de Grand Central Station, pour ceux qui connaissent New York. Et
Peggy, je crois, se doutait fort peu qu'elle aurait épousé Lawrence Welk quelques années plus tard. Mais il l'avait complètement séduite, car il était grand, il était blond. Il ne ressemblait pas du tout aux jeunes hommes qu'elle était censée épouser. Quelqu'un de peut-être de la haute bourgeoisie juive new-yorkaise qui l'embêtait comme tout, qu'elle trouvait vraiment très embêtant, très guindé. Et donc, quand elle retrouve Lawrence Welk un petit peu par hasard à Paris, elle est absolument ravie car il est vêtu de vêtements plutôt extravagants, des capes, il était très beau, il avait les cheveux longs, blonds, il a les yeux bleus, donc il lui paraît un petit peu comme un dieu. Mais elle l'épouse et ils auront un mariage assez tumultueux. Et après 7-8 ans, ils se séparent. Mais en fait, par la suite, ils deviendront de très bons amis. Et en fait, Peggy s'amusait beaucoup à raconter qu'elle s'entendait beaucoup plus avec ses maris après le mariage, plutôt que pendant. Mais Lawrence Welk était aussi, je crois, une personne un peu plus sérieuse qu'on puisse croire. C'est lui en fait qui introduit Peggy dans le monde bohémien de Paris des années 20. Il introduit à des artistes qu'il connaissait comme Anne Ray, comme Marcel Duchamp et beaucoup d'autres. Et au début de leur mariage, Peggy et Lawrence passent leur temps à boire énormément dans les cafés de Montparnasse, à se chamailler, sinon pire. Mais c'est quand même un personnage assez important parce que justement, il l'introduit dans ce monde des avant-gardes qui éblouit Peggy. Mais cependant, en ce moment, elle... Ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'elle ne collectionne pas encore. Mais elle en profite justement pour bien connaître ses artistes. Elle rencontre aussi Jean Cocteau, qui deviendra un ami, et aussi l'écrivaine Judy Barnes, qui deviendra aussi un personnage important dans sa vie. Voici justement une photo de Peggy par Man Ray. Elle est vêtue d'une magnifique robe de Paul Poiret avec un turban qui avait été dessiné par la future femme d'Igor Stravinsky, Vera de Bosset. Peggy écrit dans son autobiographie qu'elle était vraiment ravie de pouvoir porter de nouveau cette robe qui n'avait pas été possible pendant qu'elle était enceinte de son premier enfant. Alors voici justement Marcel Duchamp qui deviendra un très bon ami et qui soutiendra Peggy pendant sa carrière de galeriste et de collectionneuse. Je vous montre, et en fait ce que Marcel Duchamp, oui, il devient vraiment un conseiller, et c'est ça qui est assez génial de la part de Peggy. Elle a toujours su être contournée par de brillants conseillers, surtout conseillers comme Marcel Duchamp et ensuite par la suite aussi l'écrivain, l'historien d'art Herbert Read. Et d'autres. Et Samuel Beckett, aussi est quelqu'un qui lui est très proche à Paris dans les années 30 et qui lui fait comprendre que soutenir les artistes contemporains serait vraiment quelque chose de très important à faire. Je vous dis aussi que Samuel Beckett est devenu un des amants de Peggy Guggenheim. Elle l'adorait absolument. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, le premier amour peut-être de Peggy, c'était pas tellement l'art ou la peinture, mais c'était la littérature. Et ma mère, d'ailleurs, très jeune, elle a commencé à soutenir les écrivains et même les revues d'avant-garde comme The Little Review à New York. Et donc la littérature restera toujours quelque chose de très important pour elle. Duchamp est un grand professeur pour Peggy, car Peggy n'eut jamais de
d'enseignement. Elle n'est jamais allée à l'université, mais elle a toujours appris un petit peu, a été assez autodidacte. Mais Marcel Duchamp lui enseigne la différence fondamentale entre l'art abstrait et l'art surréaliste. Et lui fait comprendre que les deux sont absolument valables. Et donc, c'est une leçon qu'elle retiendra quand elle commencera sa collection d'art moderne. Mais en 1938, Peggy, donc séparée et divorcée de son premier mari, décide qu'il faut qu'elle fasse quelque chose avec sa vie. Elle a eu deux enfants, elle a eu plusieurs amants, mais il lui faut quelque chose d'autre. Et donc, elle décide... maintenant, elle est en Angleterre. Elle a toujours adoré l'Angleterre. Et sur le conseil d'une amie, elle décide d'ouvrir une galerie en plein milieu de Londres, à Cork Street, en 1938. Au début, en fait, elle ne savait pas si justement ouvrir une galerie ou bien sinon une maison d'édition qui lui aurait plu aussi également. Mais pensant que la galerie lui coûterait beaucoup moins cher, elle opte justement pour une galerie d'art moderne et contemporain. Elle commence à organiser des expositions, la première justement consacrée à des dessins de Jean Cocteau, qui suscite un assez grand scandale, car il y avait des dessins de nus et des dessins qui étaient, dont quelques-uns étaient couverts avec des poils pubiques, mais justement pour ne pas offenser le grand public, qui avait été couverte de feuilles de vigne. Elle organise aussi la première exposition personnelle de Vassili Kandinsky, donc en 1938. Kandinsky n'est pas un jeune artiste à ce moment, il a environ une soixantaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que l'oncle de Peggy Guggenheim, Solomon Guggenheim, avait commencé déjà depuis 10 ans à former sa propre collection d'art abstrait, et notamment une très grande collection des œuvres de Kandinsky. Peggy tient à soutenir Kandinsky comme un des maîtres, comme un des fondateurs de l'art abstrait au début du XXe siècle. Il y a un épisode qui est maintenant, enfin, apparaît assez comique, car Peggy avait écrit à son oncle pour lui demander s'il ne voulait pas peut-être acheter une œuvre de Kandinsky pour soutenir non seulement l'artiste, bien que Solomon le soutenait déjà depuis 10 ans, mais aussi pour soutenir sa galerie. Et c'est la conseillère et la première directrice, en fait, du premier musée Guggenheim, qui s'appelait autrement à l'époque, qui s'appelait Hilary Bay, qui était une artiste allemande, qui était venue aux États-Unis en 1927 et qui avait connu Solomon Guggenheim, qui l'avait aidé à commencer à former sa collection qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais c'est Hilary Bay qui écrit à Peggy Guggenheim et qui lui dit: mais comment osez-vous proposer une œuvre qui est exposée dans votre galerie commerciale? Vous savez que Solomon Guggenheim ne pense qu'à l'art en termes qu'en termes spirituels, et donc c'est une insulte au nom Guggenheim. Peggy, quand même assez étonnée, lui répond: mais écoutez, en fait, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'aide, je supporte les artistes. Hilary Bay concède en fait que oui, en effet, c'est tout à fait, c'était très important, et lui concède ce moment qui lui paraissait assez insupportable, comme sa galerie lui paraissait vraiment trop commerciale. Mais il faut aussi se rappeler que les galeries commerciales à l'époque n'étaient pas du tout comme les galeries aujourd'hui. Les galeries étaient des espaces pour montrer l'art moderne, l'art contemporain, mais c'était aussi des lieux de rencontre. Le monde de l'art était aussi minuscule à cette époque. Bref, je ne veux pas m'attarder sur ça. Je veux aussi vous parler un petit peu de l'exposition de sculptures et de peintures contemporaines, une des toutes premières en Angleterre. Et cette exposition a suscité un grand scandale, car toutes les œuvres et la grande partie venaient de la France, parce que Peggy justement était très amie avec toutes les sculptures qui venaient de France, avaient été arrêtées à la douane.
Et à ce moment-là, dans les années 30, c'était le directeur de la Tate Gallery qui devait toujours certifier que les œuvres qui passaient de la France, ça s'est pas arrangé aujourd'hui, je dois dire, ça se complique, comme vous savez très bien. Et les œuvres, donc, justement, devaient passer, avoir l'autorisation du directeur de la Tate Gallery de passer, mais il ne voulait pas certifier les œuvres comme sculptures, car ces sculptures ne paraissaient étaient des morceaux abstraits en bois, en bronze, et n'étaient pas considérés justement comme des sculptures, mais plutôt comme des objets qui auraient été aussi soumis à un impôt, à une taxe. Ça a suscité un scandale absolument énorme qui est allé jusqu'à la caméra à la chambre des Lords. Et ce qui est merveilleux, c'est que Peggy Guggenheim a gagné, les artistes ont gagné, et donc ça a été aussi un très grand pas dans ce qui est un pas très très positif dans l'histoire de l'art moderne et contemporain en Angleterre. À ce moment, Peggy Guggenheim rencontre le grand historien de l'art et critique Herbert Read, qui était directeur à la revue artistique The Burlington Magazine, et lui avait proposé je saute un petit peu, excusez-moi. Alors, attendez. Je voulais vous parler d'abord de la genèse de la collection de Peggy, avant de passer à Herbert Read. Entre-temps, Peggy commence à collectionner. Et voici la première œuvre qu'elle collectionne, une œuvre de l'artiste franco-allemand alsacien Jean Harp, Tête et coquille de 1933. La première fois que Peggy voit cette œuvre, qu'elle va acheter directement chez Harp en France, à Paris, elle la trouve absolument merveilleuse, elle la trouve très sensuelle, elle le prend dans ses mains et tient absolument à la garder. Et ceci est vraiment le moment où elle décide de former une collection. Et la sculpture sera toujours prépondérante dans la collection, et Peggy Guggenheim continuera à acquérir des sculptures tout au long de sa vie. Peggy, comme je vous disais, rencontre l'historien d'art Herbert Read, qui était très intéressé à fonder le premier musée d'art vraiment contemporain à Londres, car la Tate Gallery à l'époque n'était pas très moderne. Et Herbert Read est ravi de pouvoir devenir une espèce de conseiller pour Peggy, et commence à l'aider à rédiger une liste d'œuvres modernes et contemporaines pour la formation de sa collection. Peggy continue ses expositions, son programme d'exposition, avec la première personnelle d'Yves Tanguy, et vous verrez des œuvres splendides à la Vieille Charité, si vous ne les avez pas déjà vues. À ce moment-là, Yves Tanguy n'était pas encore marié à Kay Sage, mais plutôt était marié à une jeune femme qui s'appelait Yvette, et qu'il a laissée malheureusement pour Kay Sage, une artiste américaine. Peggy inaugure aussi une exposition, sa première exposition surréaliste en 1938, et qui est consacrée à l'artiste danoise Rita Kern Larsen. Ce qui est assez intéressant, c'est que Peggy, en fait, n'était pas particulièrement intéressée au surréalisme, ni à la première exposition surréaliste en 1936, mais en 1938 consacre justement cette présentation à cet artiste qui commence à devenir un peu plus connu. D'ailleurs, il y a trois ans, nous avons organisé une personnelle de cette artiste danoise, justement, à Venise. Peggy organise aussi une exposition de collage, papier collé et photomontage. Voici une photo donc de Herbert Read devant un tableau de Tanguy. Et je vous montre aussi quelques photos des autres conseillers de Peggy. Vous la voyez à droite à Venise avec Nelly van Doesburg, qui était la veuve du peintre hollandais Theo van Doesburg.
En bas à droite, vous voyez une photo de Piet Mondrian, le grand artiste abstrait Mondrian, qui deviendra un très grand ami et conseiller, surtout à New York. Et au milieu, vous voyez un petit dessin d'un artiste américain que Peggy a soutenu en Amérique, de Howard Putzel, qui était un galeriste californien, qui a aussi beaucoup aidé Peggy Guggenheim pour ses choix artistiques. En 1939, Peggy est quand même un petit peu fatiguée de sa galerie. En plus, ce n'est pas une grande réussite financière. Mais elle est complètement... Elle tient énormément à continuer sa collection. C'est ça qui est très important. Mais au début de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous pouvez imaginer, elle doit abandonner le projet d'un musée à Londres. Elle décide de rentrer en France et trouve un appartement qui était justement l'appartement de Kay Sage, la future femme de Yves Tanguy, qui se trouve sur l'île Saint-Louis, un magnifique appartement avec beaucoup de lumière. Et ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais ce sont ces années 1939-40 et début 41 qui sont un petit peu les années d'or pour la collection de Peggy, car elle écrit dans ses mémoires qu'elle achète pratiquement une œuvre par jour. Et avec sa liste rédigée justement par Herbert Read et par la suite par Duchamp et par Nelly van Doesburg, Peggy commence à acheter ses œuvres directement chez des artistes ou bien parfois même avec des marchands d'art. Alors ici vous la voyez avec cette robe fantastique qui a été dessinée par Elsa Schiaparelli, et vous la voyez avec deux de ses chefs-d'œuvre. Un tableau de Delaunay à gauche et une sculpture de Brancusi qui était devenu un grand ami à droite. Alors ici, vous voyez l'œuvre de Delaunay, les fenêtres ouvertes simultanément en première partie, troisième motif. Delaunay, certainement un des plus grands artistes du XXe siècle, comme vous savez très très bien. Il a fait une série magnifique de fenêtres concentrées tous sur la couleur et concentrées sur le thème parisien de la Tour Eiffel. Vous pouvez entrevoir au milieu du tableau la Tour Eiffel verte, monument emblématique qui n'était pas encore très vieille, cette Tour Eiffel, comme vous savez très bien. Et Brancusi, l'artiste roumain, énormément apprécié par Peggy. Maiastra, une espèce d'oiseau dans la mythologie roumaine. Brancusi était très intéressé, très influencé par la mythologie roumaine et par le mythe de l'oiseau. Je continue avec quelques autres œuvres que Peggy achète en 1939 et en 1940. À gauche, vous voyez une œuvre de Miro. Ensuite, elle achète aussi des œuvres de Chirico, Van Tongerlo, Gino Severini. Une des œuvres les plus admirées et les plus aimées de la collection aujourd'hui à Venise. C'est une œuvre que Severini, un peintre futuriste qui avait passé du temps à Paris, mais cette œuvre a été en fait peinte après un séjour au sud de Rome, sur la mer. Il avait été complètement enchanté par la mer, il avait aussi vu des jeunes filles qui portaient des robes légères, et donc ce tableau combine d'une certaine façon le mouvement de la mer et aussi le mouvement des robes de ces jeunes filles. Et vous voyez même que les couleurs débordent littéralement sur le cadre, exactement comme les vagues de la mer qui se défoulent sur la plage. Ce tableau est assez... non seulement c'est une des œuvres les plus emblématiques de Léger, quand il commence à retourner
un langage pictural, pictorial, plus, beaucoup plus figuratif. Mais c'est, enfin, il est une histoire intéressante car Peggy l'achète directement de Léger, mais le jour même que Hitler envahit la Norvège. Elle écrit ça d'une façon vraiment très, très tranchante, très, très, très directe. Mais je crois que maintenant, c'est un bon moment pour souligner ce que faisait Peggy Guggenheim justement durant ces années extrêmement difficiles, car tous ces artistes étaient considérés comme des artistes dégénérés, comme ils étaient décrits par les nazis. Et ce qu'a fait Peggy Guggenheim et aussi certainement d'autres collectionneurs, c'est sauver, c'est protéger, sauvegarder, sauver ses œuvres. On pourrait aussi dire qu'elle en a peut-être profité du fait que les artistes avaient besoin aussi d'argent. Ils avaient besoin, ils ne voulaient surtout pas que ses œuvres se perdent ou bien soient détruites. Mais je crois qu'on peut certainement dire que Peggy a aussi fait preuve d'un immense acte de générosité en aidant ces artistes, en faisant en sorte que ces chefs-d'œuvre soient saines et sauves. Donc ça, c'est une pièce particulièrement importante, non seulement pour le sujet même de cette œuvre, Homme dans la ville. Léger était très intéressé, fasciné par la technologie moderne de la vie contemporaine, mais son histoire, sa provenance est d'autant plus importante. Alors, passons à Marseille, cet épisode, oui, assez court. Mais Peggy se rend compte très vite, en fait peut-être pas si vite que ça, c'est ça qui est assez intéressant, mais elle se rend compte que comme américaine et comme juive, qu'il faut qu'elle parte, il faut qu'elle quitte l'Europe. Et donc elle se rend d'abord à Marseille dans l'espoir de pouvoir partir le plus vite possible, ce qui prendra bien sûr du temps. Elle rencontrera, comme vous a raconté Bernard aussi éloquemment, enfin Varian Fry et tout le comité de secours qu'il dirigeait avec ses acolytes. Et Peggy Guggenheim s'établit plus ou moins dans la villa Herbel. Et soutient, comme on sait financièrement, Varian Fry et aide plusieurs artistes donc à pouvoir partir de l'Europe pour les États-Unis. Bien sûr, enfin, malheureusement, tous les artistes qui voulaient partir, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu partir. Par exemple, l'artiste roumain Victor Browner, malheureusement, le quota pour les Roumains était plein, donc il n'a pas pu quitter la France. Heureusement, il a survécu et par la suite, il s'est établi à Paris où il meurt en 1966 et il aura l'occasion de retrouver Peggy Guggenheim dans les années 50. Mais heureusement, il y a beaucoup d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains qui réussissent à partir, non seulement grâce au soutien de Peggy Guggenheim, bien sûr, mais au soutien extraordinaire de Varian Fry, qui est vraiment un des héros de la résistance qui mérite, je crois, d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Je crois que il ne l'est pas encore, et donc je voudrais tout simplement souligner ce que vous faites. Alors voici à droite, vous trouvez Peggy qui est tout à fait souriante, avec à ses côtés André Breton avec sa femme.
Aube, Jacqueline plutôt, et leur petite fille Aube. À gauche, vous voyez Varian Fry avec de nouveau André Breton et Aube, et André Masson, un autre artiste qui partira également aux États-Unis. Il y aura plusieurs artistes qui resteront aux États-Unis, mais il y en aura aussi d'autres qui décideront de retourner en France. Donc, ce moment devait être naturellement, enfin, je pense, un moment dramatique dans notre histoire, mais je crois qu'il y avait aussi des moments aussi assez comiques, assez ludiques. Et il y a cette photo assez connue avec Daniel Bénédite, qui est un associé de Varian Fry, qui est en train d'accrocher un tableau de Max Ernst à un arbre pour une vente aux enchères, car c'était un moyen de pouvoir récolter des fonds. Je crois que c'était justement Peggy qui en avait eu l'idée. Et donc, c'est un moyen aussi extraordinaire d'accrocher les œuvres. Quand on pense maintenant à la valeur non seulement artistique, mais économique qu'ont ces œuvres, je trouve ça formidable et j'aimerais tellement, en tant que directrice du musée, en plus comme ancienne commissaire, de pouvoir faire ça aujourd'hui. Mais je crois que ce serait très difficile du point de vue assurance. Notre conservateur en serait aussi horrifié, même si l'idée me paraît vraiment très très belle. En bas à droite, vous voyez un détail d'une des œuvres emblématiques de la collection de Peggy, la toilette de la mariée. Alors, à ce moment, Peggy tombe follement amoureuse de Max Ernst, artiste allemand, un des artistes principaux du XXe siècle, et non seulement du surréalisme, un artiste qui a travaillé dans tous les domaines, dans tous les médias, un homme assez extraordinaire dont justement Peggy tombe très amoureuse. Et c'est en fait cette période avec Max Ernst, qu'elle épousera par la suite quand elle sera rentrée aux États-Unis, représente une période importante pour Peggy parce qu'elle aura l'occasion de pouvoir enrichir sa collection de plusieurs chefs-d'œuvre de Max Ernst. Max Ernst rejoint le groupe des surréalistes à Paris dans les années 20. Et comme beaucoup d'autres artistes de cette génération, il avait énormément souffert de la Première Guerre mondiale. Il tenait absolument à essayer de trouver une nouvelle voie, une nouvelle manière de représenter le monde. Il refuse une notion tout à fait rationnelle de la vie, des valeurs sociales. Il choisit de suivre des voies complètement alternatives à travers les rêves, à travers la magie, à travers le subconscient, qui sont des thèmes qui le suivront durant toute sa carrière. Et j'en profite alors pour une toute petite publicité, si vous m'en voudrez pas trop, mais l'année prochaine, nous ouvrons une exposition qui a été d'ailleurs reportée pour un an, une exposition qui s'intitule justement « Le surréalisme et la magie » qui ouvrira au mois d'avril à Venise l'année prochaine. Et donc, alors, je vous invite tous à venir la voir. Mais continuons avec Max Ernst. Alors, finalement, Peggy Guggenheim réussira à partir de Marseille après des moments très, très difficiles. Enfin, on avait déjà commencé aussi la rafle des Juifs. Ce qui était assez intéressant quand on lit ses mémoires, c'est que ce n'est peut-être pas si étonnant que ça, mais qu'elle ne croyait vraiment pas que c'était possible qu'on puisse l'arrêter, qu'on puisse l'empêcher de continuer à mener une vie plus ou moins normale. Mais elle se rend compte que...
le moment de pouvoir laisser l'Europe qu'elle adorait, la France qu'elle aimait énormément. Elle se rend compte que qu'il faut partir. Et donc, en juillet 1941, elle part avec son ex-mari, Laurence Veil, avec leurs deux enfants, futur mari Max Ernst et les Bretons sur un petit clipper Pan Am. Et ils arrivent le 14 juillet à New York. Un petit problème quand même, Max Ernst, comme Allemand, était considéré comme un ennemi. Donc, d'autres problèmes. Et il était d'ailleurs enfermé quelques jours. Mais heureusement, grâce à l'intervention du directeur du MoMA, Alfred Bock, qui était un grand admirateur de Max Ernst, Max Ernst est délivré et peut rester aux États-Unis. Max Ernst et Peggy commence à voyager, parcourir un petit peu les États-Unis. Il découvre l'Arizona et ses paysages extraordinaires qui vont commencer à apparaître dans certains de ses tableaux. Mais Peggy est toujours décidée à ouvrir un musée. C'est encore un petit peu trop tôt, mais en octobre 1942, elle ouvre sa galerie Art of this Century. Et ça, c'est un moment assez extraordinaire dans la vie artistique et culturelle de New York, car c'est la galerie la plus contemporaine, la plus passionnante qu'on puisse trouver à New York en ce moment-là. Il y avait bien sûr d'autres grands galeristes à New York comme Julian Levy qui soutenait énormément le surréalisme et les artistes comme Dali dont on a parlé cet après-midi à la Vieille Charité. Mais toutes les galeries étaient assez quand même du point de vue placement, location, design, étaient assez traditionnelles. Et Peggy Guggenheim avait engagé un visionnaire, un architecte designer autrichien-américain, Frederick Kiesler, pour sa galerie. Elle lui a permis, Peggy a permis à Frederick Kiesler de réaliser finalement son œuvre, son rêve de former un univers complet, une espèce de Gesamtkunstwerk, une espèce de d'univers complet où l'art serait complètement à la portée du public sans aucune intervention de cadre ou bien de verre qui ne sont pas très engageants. Il voulait absolument ne pas accrocher les tableaux de façon traditionnelle, car il voulait justement cette espèce d'engagement interactif avec le public. Et donc vous voyez ici, tout d'abord, alors à gauche, vous avez la galerie de l'art abstrait. La galerie était composée de 4 pièces, la galerie de l'art abstrait, où vous voyez d'ailleurs des œuvres de Kandinsky, à l'avant, de Pevsner, et à gauche, à droite plutôt, vous avez une vue de la galerie du surréalisme avec des œuvres de Max Ernst, avec une œuvre de Giacometti sur ces espèces de chaises et de fauteuils à bascule qu'avait dessiné et conçu Frederick Kiesler, et qui était aussi une façon originale de pouvoir montrer les œuvres et pas sur des bases traditionnelles. Et dans les deux autres salles, il y avait une salle qui était consacrée aux jeunes artistes, et on en parlera d'ici peu. Et il y avait aussi une autre salle qui était consacrée à Miro et aussi à Marcel Duchamp. Et ici exposée était la boîte en valise, et celle-ci c'est la première boîte en valise de l'édition de luxe qui était dédiée à Peggy Guggenheim. J'étais très heureuse de voir l'exemplaire à la Vieille Charité, et d'ailleurs il y a 2 ans nous avons exposé cette boîte en valise complètement avec les 60 reproductions de l'œuvre de Duchamp.
Donc ça, c'est un objet extrêmement important et emblématique, je crois, aussi de ce moment très spécial, car Duchamp croyait que justement on peut tout mettre dans une valise et on peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc il y a aussi une histoire d'immigration, une histoire migratoire très, très intéressante à travers justement cette boîte en valise qui peut contenir toute une vie artistique. Le soir de l'inauguration de la galerie, en octobre, le 20 octobre 1942, Peggy porte des boucles d'oreilles, donc une boucle d'oreille d'Yves Tanguy dans une oreille et une d'Alexandre Calder, le sculpteur américain, à droite, justement pour démontrer son impartialité entre l'art abstrait et l'art surréaliste. Et donc au début de cette période new-yorkaise dans sa ville natale, où Peggy était d'une certaine manière exilée, si nous voulons, parce qu'elle avait donc elle venait de passer 20 ans en Europe, elle a dû rentrer chez elle, enfin dans sa ville natale new-yorkaise, mais elle commence à montrer ses chefs-d'œuvre d'art européen, les artistes surréalistes en exil. Elle comprend aussi très vite qu'il faut absolument qu'elle se consacre aux jeunes artistes américains. Et Art of the Century deviendra un espace pour ces jeunes artistes où ils pourront exposer et essayer de vendre leurs œuvres justement grâce à Peggy Guggenheim. Et pendant ce temps, elle continue quand même à acheter des œuvres de Picasso et de Kandinsky et bien d'autres. Et je voudrais vous dire quelque chose d'assez rigolo à propos de Picasso, parce qu'à Paris, en 38-39, et Picasso se trouvait à Paris en ce moment-là, Peggy désire acheter quelques-unes de ses œuvres, et donc elle décide d'aller le voir chez lui. Et elle arrive avec sa liste, et il paraît que Picasso, quand elle la voit arriver, lui dit « Ah, mais madame, écoutez, la lingerie se trouve la porte à côté. » Et donc, Peggy, absolument furieuse, laisse tomber Picasso. Je ne sais pas si elle va acheter de la lingerie, mais elle n'achètera plus jamais directement du Picasso. Bien qu'elle investisse ensuite en 6 ou 7 toiles très importantes du peintre espagnol. Mais alors passons aux artistes américains que commence à soutenir Peggy Guggenheim. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? À gauche, nous avons une œuvre de Robert Motherwell, un des artistes américains qui a eu sa première exposition personnelle à Art of the Century. Voici une œuvre qui s'appelle Personnage, un autoportrait. Un collage, et Motherwell continuera à faire des collages dans sa carrière. Je passe d'abord à droite, Mark Rothko, qui a été très influencé par les œuvres surréalistes, et qui lui aussi aura sa première personnelle à Art of the Century. Mais je voulais surtout m'attarder sur l'œuvre de Irene Rice Pereira, qui est une femme artiste qui a été soutenue par Peggy Guggenheim, mais qui n'est pas très connue, malheureusement. Et d'ailleurs, la collection de Peggy est assez pauvre en artistes femmes, bien qu'elle ait beaucoup soutenu les artistes femmes. Elle a organisé d'ailleurs deux grandes expositions complètement consacrées aux femmes et aussi des expositions personnelles, dont une à Irene Rice Pereira, qui était une artiste abstraite qui a eu beaucoup de succès dans les années
40, 50 à New York. Elle était très intéressée par les matériaux modernes, par les matériaux non conventionnels comme le verre. Mais elle était aussi très influencée, comme vous pouvez voir, par Mondrian. Elle travaillait aussi beaucoup avec le métal et était intéressée par toute la luminosité et par les effets de luminosité rendus justement par le verre et le métal. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Irene Rice Pereira était une artiste très soutenue par l'oncle de Peggy Solomon, qui avait son premier musée juste à quelques pas de la galerie de sa nièce. Passons certainement à l'artiste qui a été très très important pour Peggy Guggenheim, car elle décrit son soutien de Pollock comme peut-être la chose dont elle est plus fière de sa carrière de mécène et de collectionneuse. Pollock avait participé à une exposition chez Peggy de collage, et Piet Mondrian trouve cet artiste extrêmement intéressant et le considère vraiment comme un des artistes les plus passionnants à voir et à New York dans les années au tout début des années 40. En 1943, Peggy alors décide de lui consacrer sa première personnelle et elle lui consacrera trois autres expositions. Et elle commencera aussi à lui donner à le soutenir financièrement pour qu'il puisse justement abandonner son rôle, son métier de balayeur ou au musée de son oncle Solomon. Ici, vous voyez Peggy à gauche avec Pollock. Elle lui avait commandé une murale pour son appartement new-yorkais. Donc là, vous la voyez avec cette murale qu'il paraît que Pollock avait eu... ça lui avait été très difficile de peindre cette œuvre qui est immense. Et qu'il paraît que dans l'espace de 24-36 heures, il a créé cette toile immense qui se trouve maintenant à l'Université de l'Iowa aux États-Unis. Peggy continue à soutenir d'autres artistes comme Baz Yotis, Hans Hoffman, David Hare, Clifford Still, qui sont presque tous représentés dans l'exposition à la Vieille Charité. Art of the Century devient vraiment un pôle d'activité d'art contemporain extrêmement important, extrêmement passionnant. Je voulais vous montrer justement quelques œuvres de Pollock. La femme lune de 1942, où l'artiste est encore assez influencé par Picasso, même par Miro, les œuvres surréalistes qu'il aurait vues non seulement dans des revues, mais directement dans la galerie de Peggy Guggenheim. Et à droite, vous voyez ce tableau Direction, qui se trouve justement dans l'exposition à la Vieille Charité. Passons maintenant à ce chef-d'œuvre de Pollock, à Alchimie de 1947. Cette peinture est une des toutes premières que Pollock réalise grâce à cette technique assez révolutionnaire qui est celle du dripping, ou de la coulée. Ce moment très important donne vraiment vie à la peinture américaine du XXe siècle. Et Jackson Pollock, ça marque vraiment le moment où Jackson Pollock devient vraiment le père de l'art moderne abstrait du XXe siècle.
Et c'est certainement la contribution la plus significative de Pollock, justement ce travail de la coulée. Alors Pollock ici, il ne travaille plus avec sur le chevalet. Il pose cette toile par terre et il participe activement à la peinture en contournant la toile et en coulant littéralement la peinture de pots de peinture et aussi travaillant aussi avec des tubes de peinture. Ça peut paraître peut-être un petit peu désordonné, mais en fait, il y a une grande, grande discipline. Et d'ailleurs, quand ce tableau avait été critiqué comme très indiscipliné, il paraît que Pollock a été vraiment très déçu, voire très insulté, car il insistait que tout ce qu'il faisait était vraiment c'était vraiment très très discipliné et qu'il y avait un travail de recherche absolument immense. La toile a été restaurée il y a quelques années à Florence, à l'Opificio delle Pietre Dure, qui est une grande école, un grand centre de conservation, mais traditionnellement de peinture classique italienne du 15e, 16e, 17e siècle. On restaure surtout des tableaux de Raphaël, de Leonardo. Et ce tableau était la première toile du 20e siècle, mais pas n'importe laquelle, une toile américaine du 20e siècle, la première à être restaurée dans ce lieu assez exceptionnel qu'est le Opificio. Et donc, ceci a aussi permis de placer Pollock vraiment dans la grande tradition pictoriale européenne et américaine. Et à partir de ce moment, Pollock produira maintes peintures de ce genre, mais il n'est pas encore très connu à cette époque. Et ce n'est que par la suite, tout au début des années 50, que Pollock aura une certaine gloire, surtout après qu'une photo de Pollock est reproduite sur la couverture du Life magazine, qui était lue par pratiquement l'Amérique entière et qui le rend le peintre le plus célèbre des États-Unis. Techniquement, c'est un tableau très très complexe, composé d'un minimum de 13 ou 14 différentes, d'huile, de peinture d'aluminium. Il y a même des petits cailloux. C'est très difficile à voir sur cette pas très bonne photo. J'en suis désolée, mais en fait, c'est une œuvre qui a beaucoup de qui est assez tridimensionnelle, très plastique. Et donc, j'espère que vous aurez l'occasion de venir la voir à Venise. Alors, continuons. Mais en 1947, après donc plusieurs années d'activité, 7 ans d'activité, Peggy, et donc à la fin de la guerre, Peggy se lasse de sa galerie. Elle a très envie de retourner en Europe. Elle ne veut plus rester aux États-Unis. Et donc, elle décide de fermer sa galerie. Et la dernière exposition est consacrée à Theo van Doesburg, peintre abstrait dont je vous parlais avant. Une exposition pour commémorer l'artiste déjà décédé depuis un petit peu de temps. Mais ce qui est assez intéressant d'avoir consacré une exposition justement à un peintre hollandais, européen, c'est justement de dire voilà, ma période américaine est close, je repars pour l'Europe et donc je ferme avec une exposition consacrée à un artiste européen. Alors, nous voici à Venise. Peggy avait décidé elle voulait absolument revenir en Europe et elle avait décidé, oui, je crois que Venise sera là où je veux pouvoir m'établir et possiblement avoir finalement mon musée.
C'était d'ailleurs Lawrence Vail qui lui avait montré Venise lors de leur voyage de noces dans les, en 1921 ou en 1922, et elle s'était jurée de retourner dans la Sérénissime. Il se trouve qu'en 1948, c'était la première biennale après la fin de la guerre, et elle est invitée par le secrétaire de la biennale de montrer sa collection dans le pavillon grec qui était complètement vide à cause de la guerre civile. Et donc Peggy en profite avec l'aide de l'architecte vénitien Carlo Scarpa de reconstituer, d'aménager le pavillon pour l'exposition de sa collection. C'est la première fois en fait que sa collection entière, donc non seulement les œuvres européennes des anciens maîtres surréalistes et abstraits européens, mais aussi les œuvres des jeunes artistes américains qui sont exposées pour la première fois, donc justement à Venise dans le pavillon grec. Un succès extraordinaire. C'était surtout quelque chose d'assez extraordinaire aussi, qui a suscité aussi un petit peu de scandale. La biennale n'était pas toujours aussi contemporaine qu'on ne puisse le penser. Mais un moment extraordinaire pour Peggy, un petit peu l'apothéose, si on veut. Elle devient soudain une célébrité. Il y a le président même de l'Italie, Luigi Einaudi, qui la félicite. Il y avait même l'historien d'art Bernard Berenson qui vient la voir, mais qui s'étonne aussi que Peggy Guggenheim n'ait pas voulu collectionner les œuvres de la Renaissance. Mais c'est un moment, oui, donc vraiment extraordinaire pour Peggy. Et elle... Ah ben la voici justement avec Carlo Scarpa au centre et Rodolfo Lionello Venturi, le critique d'art italien. Et ici vous la voyez justement avec le président italien et Rodolfo Paluchini, le secrétaire de la Biennale. En 1949, grâce à un ami, Peggy acquiert un palais qui s'appelle le Palazzo Venier dei Leoni, qui avait été construit, ou même en fait jamais fini, en 1749. Un palais dessiné, conçu par Lorenzo Boschetti, un architecte vénitien. Et en bas à gauche, vous voyez la maquette de ce qu'aurait pu être le palais, si jamais il avait été fini. Un palais vraiment énorme, qui serait peut-être devenu le plus grand ou un des plus grands palais de Venise, juste devant la préfecture de Venise. Mais en fait... comme vous voyez en haut à gauche, dans cette photo des années 50, c'est un bâtiment qui semble presque moderne, presque moderniste en fait. Et peut-être une espèce de prototype de l'architecture moderne, même du Bauhaus. Mais cet immeuble, en fait, plus de 250 ans. Mais je crois que c'était un bâtiment qui convenait tout à fait à Peggy, car... il n'était pas affresqué avec des œuvres de Tintoretto ou bien de bien qu'il y avait certaines fresques, mais c'était un bâtiment vraiment tout à fait spécial, avec des plafonds pas trop hauts, un bâtiment qu'elle a fait repeindre, donc avec des pièces blanches qui étaient absolument parfaites pour sa collection d'art moderne. Ce bâtiment a quand même une histoire très intéressante, car au début du XXe siècle, il avait été habité par la marquise Maria Luisa Casati, une femme assez extraordinaire qui se baladait dans les villes de Venise, toute nue, avec un énorme manteau en fourrure, avec des tigres ou avec des lions, et qui suscitait bien sûr un étonnement général dans les ruelles de Venise. Et ensuite, il avait été acheté par une vicomtesse anglaise dans les années 30, mais ensuite, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, avec la position de l'Italie, le palais avait été complètement abandonné. Mais en 1949, Peggy l'achète et demeure ici jusqu'à sa mort en 1979.
En 1950, j'avais oublié cette image à droite. En 1949, elle organise une exposition de sculpture contemporaine. Vous vous souviendrez qu'il y a 10 ans auparavant, elle avait organisé une exposition de sculpture à Londres. Donc la sculpture, une de ses grandes passions. Ici, vous la voyez sur les marches avec quelques-uns de ses petits chiens tibétains. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les petites chaussettes blanches. En 1950, elle expose sa collection d'œuvres de Jackson Pollock au musée Correr dans la place Saint-Marc. En 1951, sa collection voyage un petit peu en Europe, à Amsterdam, en Belgique. Mais à la fin de l'année, plus ou moins, sa collection rentre à Venise définitivement. Et Peggy commence à ouvrir dès 1951 son musée, son jardin, sa collection entière au public, plusieurs après-midi par semaine, estimant que c'était son devoir de partager les collections avec le grand public. Elle avait eu la chance de pouvoir acquérir toutes ses œuvres, mais qu'il fallait absolument qu'elles appartiennent à tout le monde. Elle continue à soutenir les artistes. Quelque chose qui est vraiment fondamental pour elle. D'ailleurs, les premières personnes qu'elle voulait rencontrer quand elle arrive à Venise, ce sont justement les artistes. Et elle rencontre, entre autres, le Vénitien Edmondo Bacci, que vous voyez à gauche, avec un autre artiste qui s'appelle Tancredi Parmigiani, qui est le seul artiste italien qu'elle soutiendra pendant plusieurs années. Elle le soutiendra financièrement. Elle lui offrira aussi un atelier dans le rez-de-chaussée de son palais vénitien. Et ici, vous voyez deux œuvres de ces artistes, donc Tancredi et Edmondo Bacci, auxquels nous consacrerons une rétrospective en 2022. Je voulais vous montrer quelques vues de l'intérieur du palais lors de la vie de Peggy. Alors à gauche, en haut, vous avez la salle à manger. Vous voyez des meubles anciens en bois. Et à gauche, vous avez le cycliste de Metzinger. Vous avez la mère ballerine de Severini à droite, avec Peggy Guggenheim au milieu. En bas à gauche, vous la voyez dans son salon qui donne sur le Grand Canal, avec bien sûr des livres, des mobiles, des œuvres de plusieurs artistes, des sculptures. En haut à droite, vous la voyez dans sa chambre à coucher, où elle avait ses boucles d'oreilles et aussi sa descente de lit, c'est ça ? La tête de lit dessinée par le sculpteur Alexander Kolde. Et en bas à droite, vous la voyez dans le foyer du palais avec un Picasso à gauche, une grande sculpture de Kolde, une sculpture de Brancusi que vous voyez au fond. Ah, voici une photo un petit meilleure de la tête de lit en argent d'Alexander Kolde. Un exemple assez extraordinaire de ce que cet artiste plutôt génial pouvait faire avec ses mains. C'est une pièce extrêmement délicate, entièrement faite à la main, avec des éléments de la nature. Vous verrez à gauche des petits poissons. Il y a aussi des éléments qui font référence à la flore et à la faune. Donc un merveilleux mélange de faune et de flore qui est aussi parfait, je crois, aussi pour la location vénitienne, qui est ce mélange de aquatique et de mer. Je vous montre encore quelques œuvres. Donc, ce mobile de 1941, Arc de pétale d'Alexander Kolde, un exemple merveilleux d'équilibre sculptural. En haut, vous voyez de nouveau Peggy Guggenheim, avec au fond à gauche
un chef-d'œuvre de Picasso, La Baignade, du 12 février 1937, que Picasso peint durant la guerre civile espagnole. Ce tableau fait partie d'une série assez extraordinaire de plusieurs baignades et baigneuses que Picasso fait en l'espace d'une dizaine de jours en février 1937. Donc un très important tableau de la collection. Nous avons aussi de la chance d'avoir une œuvre importante de sa période cubiste, Le Poète de 1911, et aussi L'Atelier de 1928, un tableau de sa série de studio d'artistes, une des œuvres peut-être les plus abstraites de Picasso, qui n'a jamais été un peintre abstrait, mais qui est quand même, qui a quand même une qui est quand même assez étonnamment abstraite pour cet artiste qui a toujours pensé que qui a toujours dit que l'art abstrait ça n'existe pas. Picasso en 1928 avait connu récemment sa jeune maîtresse Marie-Thérèse Walter, qu'on retrouve dans la figure à droite avec ses cheveux longs qu'on voit, qui sont dessinés par ses traits. Donc l'atelier d'artiste, un thème typique des artistes. Vous pouvez voir au fond la table et les deux cercles verts qui pourraient être une nature morte, les pommes vertes et l'artiste lui-même à gauche. Voici encore quelques vues de Peggy Guggenheim à l'extérieur, dans son jardin, avec la sculpture de Maestra que nous avons vue tout à l'heure, qu'elle avait achetée en 1940 à Paris. Le jardin était beaucoup plus sauvage à l'époque. Et là, vous voyez en bas au fond un autre bâtiment qu'elle avait fait construire dans les années 50, une barquesa, qui était une espèce de bâtiment de la région du Veneto qu'on trouvait dans les campagnes pour le foin et pour les machines agricoles. Et avec sa collection qui continuait à grandir, Peggy avait eu l'idée de construire une barquesa après avoir pensé éventuellement à ajouter un étage sur le palais, chose qui ne s'est jamais faite, mais qui avait passionné plusieurs architectes qui avaient vu une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir continuer le travail inachevé de ce palais du XVIIIe siècle. Je voulais vous montrer les portes d'entrée du palazzo qui ont été dessinées par l'artiste californienne Claire Falkenstein. Des portes d'entrée en fer forgé et décorées avec des morceaux de verre de Murano. Donc une œuvre aussi qui est très vénitienne, si vous voulez. Je voulais vous montrer quelques œuvres emblématiques de la collection. Kandinsky, donc, qui avait été soutenu par Peggy en Londres en 1938, un des fondateurs de l'art abstrait. Il y a une histoire assez amusante au sujet de Kandinsky, car nous avons maintenant trois pièces de Kandinsky dans la collection. Une de 1913, là où Kandinsky est vraiment à la recherche de l'abstraction. Nous avons une autre pièce de 1922 et une de 1928, quand Kandinsky enseigne au Bauhaus en Allemagne, dans les trois écoles d'ailleurs. Et Peggy avait aussi acheté une œuvre de 1936 quand Kandinsky est à Paris, quand il est obligé de quitter l'Allemagne quand le Bauhaus ferme en 1933. Et il se rend à Paris où il mourra par la suite. Et il avait commencé à faire des œuvres extraordinaires. Je suis désolée, je n'ai pas de photo. Inspirée un petit peu par les surréalistes, par la peinture du Miro.
Peggy achète cette peinture, et ce qui aurait été parfait pour démontrer le trajectoire aussi artistique de Kandinsky. Malheureusement, Peggy décide de vendre ce tableau à un grand marchand américain, et qu'il achète Solomon, son oncle Solomon Guggenheim. Donc malheureusement, ce tableau n'est pas à Venise, mais se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, au Guggenheim de New York. Je voulais aussi vous montrer ce tableau de René Magritte. Alors Peggy, même à Venise, continue à acheter. Elle estime qu'il faut continuer à soutenir les artistes. Elle n'a peut-être pas fini de cocher toutes les œuvres qui étaient sur sa fameuse liste qu'avait écrite Reed et Marcel Duchamp. Elle continue à s'intéresser au surréalisme et donc à cette œuvre merveilleuse de René Magritte, certainement une œuvre emblématique de l'artiste qui fait partie d'une grande série de justement l'Empire des Lumières, une œuvre assez bouleversante qui est à la fois justement bouleversante mais aussi merveilleuse, qui là où nous voyons un ciel bleu avec ses nuages de coton pratiquement, et par contre une maison la nuit allumée juste par un petit peu de lumière. Donc quelque chose de très bizarre qui nous éblouit, mais qui en même temps nous demande de poser aussi certaines questions. Je voulais vous montrer aussi une œuvre d'une artiste pas très connue, mais qui a été soutenue par Peggy Guggenheim, Grace Hartigan, une artiste américaine d'origine irlandaise, qui faisait partie du groupe des artistes abstraits expressionnistes américains, dont bien sûr les noms de Pollock, Motherwell, etc. Mais il y avait aussi un groupe de femmes très connues à l'époque, comme Helen Frankenthaler, dont il y a un tableau très, très beau à la Vieille Charité, mais aussi Joan Mitchell, Lee Krasner, qui était la femme de Pollock, Hélène de Kooning, la femme de Kooning, et aussi Grace Hartigan, qui n'était mariée avec aucun de ses peintres. Et Peggy soutenait les maris, mais elle ne soutenait pas les femmes. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Mais Peggy, quand elle se rend à New York en 1959 pour l'inauguration du musée Guggenheim sur la 5e avenue, visite l'artiste Grace Hartigan et décide d'acheter cette toile qui est énorme. Et c'est une toile justement que l'artiste avait fait peu après son voyage en Irlande pour aller retrouver ses origines. Ce n'est ni une toile complètement abstraite ni complètement figurative, mais qui avait plu énormément à Peggy. Et ici, vous la voyez justement dans son salon avec cette œuvre immense derrière elle. Le musée Guggenheim à gauche. Et en 1969, Peggy Guggenheim est invitée à exposer sa collection au musée. Peggy, à ce moment, était très courtisée par beaucoup de musées, car tous voulaient l'approprier, dont la Tate Gallery, qui ne voulait pas de ses sculptures en 1938. Il regrette certainement. Mais en 1969, grâce aussi au directeur de l'époque, qui voulait absolument essayer d'obtenir cette collection pour la Fondation Guggenheim, l'invite à exposer dans le musée qui avait maintenant 10 ans et que Peggy n'aimait pas du tout. Elle le considérait, elle le décrivait comme le garage de son oncle. mais d'ailleurs, vous savez, c'était un musée qui n'était pas du tout... c'est pas un endroit facile pour accrocher les œuvres. Moi qui ai travaillé comme commissaire dans ce musée pendant une vingtaine d'années, c'est très difficile de...
d'accrocher les œuvres, de les placer, ce qui fait partie aussi de l'enjeu, bien sûr. Et c'est un endroit absolument passionnant. Enfin, ça, c'est autre chose. Voici sa collection exposée en 69. Et je voulais vous montrer aussi une image de son oncle Solomon au milieu et de sa conseillère artistique, Hilary Bay, la première directrice fondatrice du Solomon R. Guggenheim Museum, qui s'appelait à l'époque The Museum of Non-Objective Painting. Je pourrais vous continuer pendant des heures sur Hilary Bay Solomon, mais ce sera pour une autre fois. Alors, voilà. Alors, je voulais passer maintenant au musée aujourd'hui. Je voulais vous montrer quelques vues du musée. Et nous avons réouvert fin avril, ce qui était absolument merveilleux après 3 confinements. Et un musée vide, comme vous savez, c'est quelque chose de très triste, car un musée, il faut que ça vive, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des visiteurs. Donc, on a refait un petit peu l'accrochage. Alors, je vous montre ici ce qu'était la salle à manger, nous l'avons vu auparavant, avec une superbe œuvre de l'artiste italien, futuriste Umberto Boccioni, avec au fond cette œuvre plutôt admirable, unique, dynamisme d'un cheval au galop et maison. À droite, nous avons une œuvre de Georges Braque. Ici, je voulais vous montrer à gauche l'ancienne cuisine du palais, qui a été maintenant transformée en salle expositive, qui est normalement consacrée aux œuvres abstraites classiques de la première moitié du XXe siècle, avec des œuvres de L. Lissitzky, Malevich et Theo van Doesburg. Mais j'ai décidé de placer une œuvre d'un artiste du Veneto, de Padoue, qui s'appelle Alberto Biasi, qui est un artiste toujours en vie et qui avait été soutenu par Peggy Guggenheim justement dans les années 60. Dans les années 60, comme vous savez, c'est le commencement de la pop art, mais c'est un mouvement que Peggy n'apprécie absolument pas du tout, bien qu'elle ait été attirée momentanément par une œuvre de Rauschenberg qui avait gagné le Grand Prix de la sculpture en 1964 à la Biennale de Venise. Mais elle continue à soutenir d'autres artistes qui s'intéressent beaucoup plus à l'art cinétique, à la pop art, dont les artistes justement comme Alberto Biasi, mais que vous connaîtrez certainement, Victor Vasarely, et d'autres encore. Justement, ce sont des œuvres qui sont elles aussi, si vous voulez, un petit peu interactives et donc aussi qui sont des espèces de... qui sont ni tableaux mais ni sculptures. Et donc un aspect interactif qui plaît aussi énormément à Peggy Guggenheim. Donc en haut à droite, vous voyez cette œuvre d'Alberto Biasi. Et dans la chambre de Peggy Guggenheim, vous voyez une œuvre d'une autre artiste qui vit toujours, Marina Apollonio. L'œuvre verte est en métal, une artiste qui s'intéressait beaucoup justement aux médias non conventionnels et qui s'intéressait beaucoup aux effets de la lumière sur les éléments. Et donc, elle aussi, une artiste qui vit toujours. Et donc, ça, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des artistes dans la collection de Peggy Guggenheim. Et ça, on ne s'imagine pas qu'il y a toujours des artistes qui vivent aujourd'hui et qui continuent avec leur travail. Vous voyez aussi les boucles d'oreilles que portait Peggy Guggenheim en 1942, les boucles d'oreilles de Tanguy et d'Alexander Calder. Avant, je vous disais que l'année prochaine, nous inaugurons notre grande exposition sur le surréalisme et la magie, qui comportera beaucoup d'œuvres de femmes artistes, dont Leonora Carrington, un des grands amours de Max Ernst, avant qu'il ne connaisse Peggy, et ensuite Edmondo Bacci, je vous en parlais tout à l'heure.
Et puis, juste pour finir, parce que je voulais vous parler un petit peu de nos collaborations, car nous aussi, enfin, nous pensons que c'est très important de collaborer, de travailler le plus possible avec toutes les réalités vénitiennes, avec aussi d'autres réalités institutionnelles italiennes. Et je crois qu'en ce moment, c'est plus important que jamais de former ces collaborations, de bonne entente, d'entente cordiale. Et donc, nous travaillons avec d'autres musées vénitiens, Dorso Duro Museum Mile. Une chose à laquelle nous sommes très intéressés, c'est tout ce qui est durabilité environnementale, quelque chose qui nous touche énormément d'un point de vue social aussi. Nous faisons justement partie de l'ASVIS, qui est l'Alliance italienne pour le développement durable, qui est chargée de promouvoir les 17 objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et en particulier, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est l'égalité. L'éducation de qualité, la réduction des inégalités et l'égalité des sexes. Nous, Campiello Giovanni, ça aussi c'est un projet que nous avons avec, nous participons à ce prix littéraire. Le Campiello est un prix littéraire italien assez connu, et nous demandons aux 5 finalistes de ce prix d'écrire des histoires, des nouvelles sur certains tableaux de la collection. Supremamente, c'était un projet éducatif, pédagogique, de workshops avec des artistes qui était en fait complètement... nous avions prévu de faire ce projet avant le confinement, et ensuite ça s'est passé complètement virtuellement. Mais ce qui prouve qu'on peut très bien travailler virtuellement, mais bien sûr, il faut pouvoir retourner sur place. Encore quelques exemples de nos collaborations vénitiennes, tout ce qui est donc environnement. Notre Venise, comme vous savez, est très fragile, un écosystème très, très, très délicat, et donc nous collaborons avec des institutions qui s'occupent de sauvegarder tout l'écosystème du lagon et de la ville. Nous soutenons aussi un projet autour du Rialto, de pouvoir soutenir les anciens marchés vénitiens. Et ensuite, un projet qui nous tenait énormément à cœur, c'était aussi d'essayer de nettoyer un petit peu les murs de Venise, de nous débarrasser des graffitis qui s'accumulent de plus en plus. Tout ce côté social, je crois que ça rentre aussi très de façon... enfin, je crois que c'est quelque chose qui aurait plu énormément à Peggy Guggenheim, étant donné qu'elle avait de son vivant ouvert sa musée, sa collection au grand public pour justement la partager. Et donc nous établissons ces collaborations, ces partenariats avec d'autres institutions pour justement faire preuve de générosité et d'ouverture envers les autres. Alors je vous attends tous à Venise. Merci. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, enfin, ou pas. Je vous ai peut-être tout raconté. Est-ce que la Fondation continue à soutenir les artistes et à acheter des œuvres?
Très bonne question. Donc, nous ne soutenons pas les artistes, mais la Fondation Guggenheim de New York les soutient, achète des œuvres. Mais à Venise même, non. La collection, en fait, la collection de Peggy s'arrête à sa mort. Mais de temps en temps, il y a des donations, des dons, des... Si jamais... En fait, la petite œuvre que vous avez lue de Irene Rice Pereira, ça, en fait, c'est un bon exemple à citer, car c'est une œuvre qui avait appartenu à Peggy Guggenheim. Elle avait exposé l'artiste, elle avait acheté cette œuvre. Ensuite, malheureusement, elle l'a vendue. Mais ensuite, elle a été disponible sur le marché et donc elle a été rachetée par la Fondation Guggenheim et donc, d'une certaine manière, elle est revenue à faire partie de la collection. On ne soutient pas vraiment les artistes, on ne peut pas tout faire. mais enfin, comme vous avez vu avec ces dernières images, Alberto Biasi et Marina Polonio, d'une certaine manière, on les soutient avec leurs œuvres dans le palais. Et ça, je crois que c'est... Nous n'achetons plus rien. Et malheureusement, en fait, nous n'avons même pas assez de place pour montrer toute la collection de Peggy Guggenheim. Bien que ce soit une collection assez petite, les espaces, en fait, sont assez petits. Donc, ce serait impossible d'ajouter d'autres œuvres. Bien qu'il y ait une collection qui a été léguée à la Fondation Guggenheim en 2014, qui est une collection de collectionneurs américains, Schulhoff, qui a été léguée à la Fondation Guggenheim et qui réside à Venise et qui est exposée dans le petit bâtiment que Peggy avait fait construire dans les années 50. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que pensait Peggy Guggenheim de l'évolution du marché de l'art? Je crois qu'elle trouvait ça absolument épouvantable et très commercial. Elle serait absolument horrifiée aujourd'hui. Justement, à la fin des années 50, elle a commencé à collectionner des œuvres africaines, océaniques, j'ai oublié de vous dire ça, pour plusieurs raisons. Mais entre autres parce qu'elle trouvait justement que le monde de l'art était devenu beaucoup trop commercial, que tout coûtait beaucoup trop cher. Et que de toute façon, il y avait quand même beaucoup de collectionneurs américains qui avaient commencé bien avant, elle, à collectionner des œuvres africaines, comme les grands collectionneurs américains, et puis même les artistes comme Picasso qui s'intéressaient beaucoup aux œuvres africaines au début du XXe siècle. Mais je crois que, il y avait beaucoup... Je crois qu'elle considérait, elle n'avait pas tort, que le monde de l'art était beaucoup plus petit à une époque, et puis même dans les années 60, il reste toujours petit, mais elle le voyait comme beaucoup trop commercial, et que quelque chose qu'elle n'avait pas connu, qu'elle n'avait pas tellement envie de soutenir. Bien qu'elle, comme je vous disais avant, elle continue quand même à acheter des œuvres. À chaque biennale, elle acquiert des œuvres. Par exemple, dans les années 50, le grand moment des sculpteurs anglais, elle achète des œuvres de Kenneth Armitage, Lynn Chadwick. Elle achète aussi des œuvres de Francis Bacon, de Graham Sutherland. Donc, elle continue... Mais ensuite, ça devient trop commercial. Ouais. Quel est son dernier achat ? Ah là 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 ! Je ne sais pas, attendez. Ça doit être peut-être des œuvres des artistes Cobra. Donc les œuvres, donc Cara Lapelle. Mais aussi toute dernière, un artiste français... qui s'appelle, c'est très difficile à prononcer parce que ce n'est pas son vrai nom, qui s'appelle Bro, B-R-O avec un accent, qui est un artiste qui a fait des espèces de paysages un petit peu abstraits avec des couleurs extraordinaires. Aussi Hundertwasser, Vassarelli, voilà, ça ce sont ses dernières œuvres. Voilà. Je voudrais évoquer un souvenir.
au musée Cantini. Il était venu avec Dorothée Attali, en broderie anglaise, magnifique. Et il m'avait dit, je n'aurais jamais imaginé être un jour honoré dans cette ville après avoir été au camp des mines si maltraité. Et c'était la première fois que j'entendais parler du camp des mines. C'était un tabou de l'époque, et aujourd'hui, où on le montre si bien, j'aimerais que les gens se rappellent que ce tabou a été long. Oui. On a ignoré cet extraordinaire passage de tous ces artistes et de toutes ces souffrances. Oui. Ah, vous avez très bien dit, vous avez très bien fait de dire ça. Et Max était magnifique, vieux monsieur droit, avec ses yeux bleus et son air d'oiseau. Oui, son air d'oiseau. Il était heureux comme tout. C'est formidable. Est-ce que vous pensez que la Biennale des arts contemporains aura lieu l'année prochaine? Ah, mais bien sûr. Mais de toute façon, la Biennale d'architecture a ouvert il y a quelques semaines. Donc là, la Biennale est prochaine, oui, bien sûr. Il faut être optimiste. Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous menez des actions pédagogiques avec les écoles vénitiennes? Ah oui, absolument. Bien. Oui, non, depuis... Donc, en fait, le musée existe depuis, de la mort, après la mort de Peggy. C'est sûr, le musée s'est institutionnalisé, et donc à 40 ans. Et toutes les activités pédagogiques avec des écoles a été fortement encouragée. Et justement, la collection Peggy Guggenheim est devenue un modèle d'action pédagogique à Venise et dans toute la région du Veneto et de l'Italie. Et nous organisons régulièrement des conférences pour les enseignants, les professeurs. Nous travaillons avec des élèves et des étudiants de tous les âges. Nous avons des workshops pour les familles, pour les petits, pour les gens du quatrième âge. Enfin, absolument, c'est très, très important. Et d'ailleurs, la mission de la Fondation Guggenheim, c'est justement le côté éducatif et pédagogique qui est absolument au centre de notre mission, quoi. Oui. Et dernièrement, on a tout fait virtuellement. Mais là, on recommence peu à peu à faire des activités justement pour les jeunes et pour les enfants en présence au musée. Donc,